Et bonsoir. Bon, il n'y a pas eu de vlog hier, hein, parce que c'est la vie, c'est pas toujours très calme à la maison. Il y a des hauts et des bas comme chez tout le monde. Et je suis rentrée tard parce que j'ai fait des courses en ville et en rentrant, mon chéri qui a voulu bricoler, qui n'est pas du tout bricoleur, a pété un mur. En fait, il a voulu mettre une cheville pour faire tenir quelque chose au mur. Il ne l'avait pas mise au bon endroit. Il a voulu tirer dessus. Le plâtre est parti avec. Enfin bref. Il n'y avait pas une grosse ambiance à tourner un petit épisode de podcast, si tu vois ce que je veux dire. Donc, je l'ai envoyé faire les courses. Comme ça, maintenant, je peux vous retrouver et enfin discuter de laine. Concernant Steven West, je suis... Alors, il faut savoir que la section 1, c'était l'indice 1. Et que là, dans l'indice 2, il y a plusieurs sections. Et moi, je suis à la section 3. Est-ce que je serai prête pour jeudi? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que demain soir... je dois bosser pour une présentation de boulot jeudi, donc je ne suis pas sûre que... Je suis même pas sûre déjà que j'aurai le temps de faire un vlog demain, je vous préviens. Et surtout, je ne suis pas sûre de tricoter demain soir. Grosse présentation de mon sujet de thèse à plein de gens. Donc Lily, elle a un peu, un peu les chocottes, normal. Mais ça se prépare. Du coup, aujourd'hui, ce que j'ai pensé, c'est faire le tour avec vous de mes bonnets, parce que ce matin je m'étais lavé les cheveux. Voilà, je m'étais lavé les cheveux et je suis partie avec un bonnet sur la tête pour ne pas attraper un rhume, et je me suis dit que j'en ai pas mal, donc ça serait super sympa que je vous présente les bonnets tricotés que j'ai. Donc on y va, il va être petit hein, ce vlog. Le premier bonnet tricoté que j'ai, je vous l'ai déjà présenté plein de fois, mais je vous en reparle, c'est le bonnet avalanche torsadé de mon copain Mathieu, qui n'a toujours pas de pompon. Tiens, regarde, il y en a un qui traîne. Imaginons qu'il est là. Avalanche torsadé de mon copain Mathieu, qui est disponible sur Ravelry gratuitement. Oui, c'est ça. Et qui est en français. Et donc, moi... Alors, j'ai une pince à cheveux. Mais je peux vous les passer tous. Et donc ce bonnet est juste très 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 beau. Il se tricote avec un brin de Deka. Donc lui, je pense que c'est... Oui, c'est Merino 120 de langue. Et un brin de lace de langue, donc un brin de mohair. Donc voilà, ce très très beau bonnet. Je fais hop, sans nom qu'il y a un pompon. Et donc... Si vous êtes dans la confection de vos cadeaux de Noël, voilà, un bonnet, je vous montre différents bonnets, mais ce bonnet qui lui est gratuit est très sympathique. Ensuite, en parlant de cadeaux de Noël, je vais vous montrer celui que m'a fait ma petite sœur Théoxane, pas l'année dernière, l'année d'avant, donc comme cadeau de Noël. Elle m'avait fait un bonnet qu'on ne présente plus, c'est le Oslo Hat. Donc le Oslo Hat qui est tout beau, tout propre, parce que je viens de le laver. Oslo Hat qui est un modèle de petite knit. Il se tricote en déca, donc en deux brins de fingering, où il y a une version fingering mohair. Et donc il me semble que pour cette version-là, Titoux, elle a utilisé deux brins de fingering, et la fingering, c'était de la Arweta. Sachant que la Arweta est à 5€, ça fait un cadeau, il en faut 3, ça fait un cadeau à presque 15€, ce qui est très correct. Et donc il faut monter énormément de mailles, faire du jersey, continuer le jersey. Et là tu vois qu'en fait tu passes en point envers, donc un peu relou, mais non, petite Nite, elle fait un point d'aller-retour. Bon, hop, tu reviens ici. Là, les petites vaguelettes qui est là. Tu continues. Et après, tu as une couronne de diminution. Et tu couds ton revers. Et donc, quand tu mets tout ça bien, c'est facile, c'est zéro cerveau, c'est que du qui tourne. Et quand tu le remets bien, hop. Et voilà. Un style complètement différent de l'autre. Mais qui est très très sympa, qui, je trouve, a un côté un peu plus... On dit urbain, la ville, voilà. Donc plus
assez sympathique en fait. Il est très chaud sur les oreilles parce que du coup, tu as trois épaisseurs de d'éca, donc de double fingering. Et je sais que il se relâche un petit peu en fonction que tu l'utilises, que tu le portes. Et donc au début, ça serre un peu la tête, mais à plusieurs, au bout d'un certain moment, ça ne serre plus la tête. Donc c'est cool. Donc ça, c'était le bonnet Oslo Hat offert par ma petite sœur. Merci Tétoux. Ensuite, moi, je me suis fait avec les restes d'un projet de tricot. Il me restait du mohair et de la single de chez La Bien-Aimée. J'avais fait un pull Elton. Le Elton, c'est le pull en fingering où tu as des rayures de fingering et des rayures de mohair. Donc moi j'avais pris ce, waouh, c'est exactement ça, ce très très beau bleu violet de la bien-aimée, je crois qu'il s'appelle le Blur Paul. Et avec les restes, j'ai fait un Frida. Donc c'est pas un bonnet, mais on reste dans la catégorie pour avoir chaud à la tête, qui est un patron gratuit qui se tricote en double, en jersey double, c'est-à-dire que c'est une maille. Tu la tricotes, une maille tu glisses, une maille tu la tricotes, une maille tu glisses. Mais c'est l'équivalent en gros d'un. Comment ça s'appelle? C'est l'équivalent d'un tube, d'un circulaire. Donc en fait, tu pourrais très bien monter des mailles et faire des tours. Et elle a un deuxième patron, Atelier Émilie, qui est avec un nœud sur le devant. Et par exemple, pour une copine, moi j'ai fait le montage du Frida qui est gratuit, il me semble. J'avais du coup doublé le nombre de mailles pour être en circulaire. Non, j'avais fait le nombre de mailles qu'elle préconisait et je m'étais mis en circulaire au lieu d'être sur un seul rang. Et sur cette partie-là, j'avais fait les motifs de son autre headband. Donc en gros, si tu te places en circulaire, tu peux faire des motifs en plus. Donc je vous l'essaye. Ça, je me dis, ah, ça va pas du tout. Je me dis qu'à vélo, il faudrait peut-être que je le ressorte un peu plus. J'ai toujours peur d'avoir une tronche un peu con avec. Mais c'est très sympa. J'ai vu aussi, c'est qui? Je pense que c'est Along avec Anna qui l'a fait avec du jacquard, il me semble. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Donc ça, c'est pareil. Dans les petits cadeaux vite faits pour Noël, tu le notes. Ah d'ailleurs, attends, ça me fait penser que j'en ai un. Attends, il est où? Ah non, je sais pas où il est. Bon, ce que j'avais fait, je vais insérer une photo si j'y pense. J'ai aussi un autre headband tricoté en déca de Elong avec Anna qui est le Snowband, je crois, qui est gratuit aussi, mais qui n'est pas du tout dans mes couleurs. J'aime pas trop pour moi, mais il est beau. Du coup, il est dans la boîte à cadeaux, donc dans la boîte des cadeaux que je dois faire. Donc voilà, pour le troisième, j'ai le headband. Pour le 1, 2, 3, quatrième projet, j'ai le bonnet Vercors qui est un bonnet que j'ai sorti l'année dernière en kit avec Madeleine et Philibert. Donc c'est un bonnet très très doux, c'est tricoté avec de la Mérisport, il me semble que c'est Deka et un fil de Suri. Donc c'est d'une douceur, un truc de malade. Et normalement il y a le pompon qui est là, mais comme lui aussi, je l'ai lavé il n'y a pas longtemps, j'ai pu décrocher le pompon. Et je n'ai toujours pas rentré le fil. Donc, hop, je le porte. Et donc là, tu te rajoutes le. Donc ça, il s'agit de mon bonnet Vercors. Alors, il se tricote. J'aime trop la couleur, donc j'ai pas envie de le retirer pour vous montrer. Il se tricote par le. Il sort. Oh. Il se tricote par le haut. C'est un tricot qui commence par le haut et on fait des augmentations avec ce qu'on pourrait appeler comme des augmentations raglan et en installant des côtes 2-2. Donc tu vois, ça fait une croix très très belle. Et cette croix, donc commencer du haut, ça permet que en cours de route, tu peux essayer ton bonnet pour être sûr d'être à la bonne hauteur. Donc après, tu continues en côte 2-2, côte 2-2, côte 2-2.
Et là, il y a pareil, un petit twist d'aller-retour parce que je voulais faire des côtes avec un motif dessus. Donc, il y a ce motif-là sur les côtes, mais tu as aussi la version de je ne veux pas faire de motif et donc tu continues en côte de deux. Il va assez vite à faire. Je sais plus, il me semble que c'est des aiguilles 4 ou 4,5. Tu vois la designeuse qui a complètement oublié comment on fait ces modèles. Mais donc c'est très 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 doux. Et moi j'avais fait une version pour bébé. Pour la filleule de chérie quand elle avait 3 mois je crois. Et c'est dans mes fiches Ravelry. Et j'ai écrit comment j'ai fait pour faire la version bébé. Et d'ailleurs la maman m'a envoyé une photo. Elle le porte encore un an après parce que c'est très... élastique. Et donc voilà, si je te mets ça là. J'adore ce rouge. Je sais plus comment elle l'avait appelé, Catherine. Ce rouge de Madeleine et Philibert, c'est une tuerie. Cette laine est d'une douceur. Enfin bref, c'est un de mes bonnets préf de préf. Et le dernier bonnet que j'ai, il s'agit encore d'un patron à moi. Il s'agit du bonnet chartreuse. Parce que le but était que pour mes noms de patron de bonnet, j'utilise les montagnes que je vois là, que je vous montre le matin. Les montagnes autour de Grenoble. Donc, concernant le bonnet chartreuse, le voici. Il se commence par des côtes. Voilà, des côtes 1-1. Tout simple. On fait un rabat, un revers, pardon. Je sais que maman, elle me l'avait testé, elle avait fait sans le revers. Donc chacun fait ce qu'il veut. Et après, c'est un point, j'ai l'impression, de torsade. Mais avec les copains, on avait dit ça ressemble un peu à un point piste de ski. Slalom. Donc tu fais un point piste de ski, que tu continues, qui est très très bien aussi parce que c'est en côte. Donc si tu as une petite tête ou une grosse tête, ça s'étend. Et après, tu as une très belle couronne de diminution. Mais évidemment, tu as le pompon en plein milieu, donc tu ne la verras pas. Voilà. Et là, tu as une très très belle couronne qui tourne de diminution. Et je peux vous l'essayer. Et voilà. Toujours dans des couleurs très neutres. Et donc, là, tu vois bien les motifs. Moi, le petit pompon. Tiens, regarde. Donc celui-là, il colle un peu plus. Et au niveau de la laine, moi, j'ai utilisé des restes. Donc, c'est deux fils ensemble de fingering. Et il me semble que c'était de la Nord ou de la Flora jaune. Donc, ce que tu peux faire, c'est aussi... Donc, c'est l'épaisseur des cas. Donc, tu peux aussi faire fingering mohair. Il y en a qui avaient fait ça dans les testeuses. Et il y a aussi du coup deux brins de fingering ou directement du mohair, de la déca. Et donc ça fait pas mal de bonnets parce que là je vous présente que les miens, je vous présente même pas tous ceux que j'ai fait à mon chéri. Donc tu vois, des couleurs très neutres. Enfin, ceux que j'ai fait, non, parce que il y a aussi ceux qu'on m'a offert. Mais je peux avoir chaud à la tête avec tout ça. Et je suis en train de me dire qu'il en manque un. Je vais le chercher, je reviens. Il manque le bonnet que j'ai mis ce matin pour aller à l'école. Non, Lisa, pour aller au boulot. Il s'agit d'une laine que m'avait offert mon chéri quand j'habitais à Paris et qui, lui, habitait Grenoble. Il était passé chez Lanaï. Et c'était de la Rosario qui change de couleur, là. Et donc, j'étais allée passer chez Lil Weasel pour acheter un mohair blanc. Et je regardais des patrons de bonnets. Donc, il me semble que c'est un patron de bonnet gratuit que j'ai un peu refait à ma sauce. Donc là, je t'insérerai le nom du patron parce que je ne m'en souviens pas. Et donc, je te montre mon bonnet. Donc, c'était une laine un peu... voilà, dans ces tons-là bleu et rouille. Et en fait, avec le mohair blanc, ça fait très, très pâle. Et donc, en gros, le bonnet, ça ressemblait pas à ça du tout. Normalement, c'est des côtes 1-1 normales. Et moi, j'avais fait des côtes 1-1 torse. Et après... Donc, en gros, c'est comme ça. Des côtes 1-1 torse. Mais j'avais pas capté que... si là, je me mettais en maillon droit, bah du coup,
le revers, il est dans l'autre sens. Donc, ça serait des mailles en verre. Donc, j'ai commencé. Puis après, je me suis dit, ah ben en fait, ce côté-là, il fait très ligne. Et le côté avec des mailles en verre fait un petit peu moins ligne. Et j'aime beaucoup avoir les mailles en verre de ce côté-là. Du coup, j'ai fait comme ça. J'ai fait mes grandes côtes en 1-1. Et après, j'ai continué dans la foulée, comme elle disait. Donc, tu vois que les très belles diminutions sont là. Donc, les belles diminutions sont à l'intérieur du bonnet. Donc, techniquement, mon bonnet était censé être comme ça, avec des côtes 1-1 normales. Et moi, je l'ai inversé pour être bien avec mes côtes 1-1. Et après, je me dis, les mailles en verre, c'est pas. Diminution moyen verre, c'est pas moche, c'est pas vilain. Donc voilà, je suis très contente, je vais vous l'essayer. Il est très très doux. Il a un petit côté qui retombe derrière là. Un petit bonnet un petit pompon qui tient pas très très bien. Mais du coup, ça c'est. Tiens, hop. C'est nickel et dès que je le mets, mon chéri il sourit parce qu'il sait que c'est la laine qui m'a offert. Du coup, il m'avait offert exactement la même mais en autre coloris. Puis là, dans ma tête, c'est bon, alors j'ai déjà trouvé un truc à faire avec la première fois. La deuxième fois, sans faire le même truc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et donc, j'ai toujours pas utilisé l'autre. Donc, ça, c'est aussi un bonnet très sympa et qui me semble gratuit. Et moi, j'avais utilisé, je crois que c'était qu'une pelote de 50 grammes et qu'il m'en reste encore à voir. Mais un bonnet aussi très sympa. Donc, Lysandre, qui est à Grenoble, a quand même, au niveau des bonnets, large choix, je pense. Mais du coup, ça aura quand même meublé une partie de ce vlog actuellement. Et donc, je pense que demain, on va pas se mentir, c'est mort. Et donc, je vous retrouverai jeudi, où je pourrai vous parler de mon chat de Stephen West. Voilà, bah j'espère que ça vous aura plu quand même. Et je vous dis à jeudi. Salut!